Salut tout le monde. Désolé si vous entendez un bruit en arrière-fond, mais je préfère utiliser la caméra de mon ordinateur parce qu'il y a une meilleure lumière. Malheureusement, il y a le ventilateur hein, qu'on entend qui est placé trop près du micro, plutôt que le téléphone. Sinon, ça vous donne la vidéo d'hier qui sur le fond était bien, même si elle était un petit peu longue. Mais sur la forme, c'était désastreux la lumière. C'est dommage. Enfin bref. Deuxième vidéo de la semaine, et puis je compte en faire d'autres. Hein. J'en ai plein. Je pense en faire 5, 6 cette semaine. Ça ne veut pas dire que je les poserai toutes cette semaine. Donc toujours pareil. Enfin, toujours pareil, non. On va essayer de faire quelques vidéos mathématiques, physiques, scientifiques, philosophiques et autres. Peut-être une vidéo sur les paradoxes. Puisque je crois me souvenir que l'un d'entre vous m'avait demandé de faire une vidéo sur les paradoxes, peut-être que je vais la faire là. Puis je travaille sur l'art contemporain. Essayer de faire une vidéo un petit peu longue. Essayer surtout d'aller à la FRAC, la Fédération à la fois régionale d'art contemporain de Marseille. Prendre des images. Parler de l'art contemporain et puis parler tout un tas de choses, non plus pour juger. Enfin, on juge toujours un petit peu, mais surtout essayer de comprendre. Et puis, traiter ça sous un autre angle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont essayés à parler de l'art contemporain, avec pertinence d'ailleurs, très souvent. Mais je veux attaquer ça sous un autre angle. Je veux pas parler du prix, ou c'est caca, ou c'est n'importe quoi. C'est un peu plus compliqué que ça, les gars. Lorsqu'on juge, on ne comprend pas, et lorsqu'on ne comprend pas, on passe à côté. L'art contemporain, c'est... Ça va au-delà du marché spéculatif. C'est vrai, tout ce qui a été dit est vrai. Hein. Ça va au-delà du prix. Ça va au-delà de l'esthétisme, parce que ce n'est pas le but. Ça va au-delà de tout un tas de choses. Et puis moi, je pense que la première des choses lorsqu'on développe un art, c'est de donner les clés aux gens. Et c'est ce qu'essayent de faire les fracs, d'ailleurs. Voilà, bon, on en reparlera. Non, alors, comme à mon habitude, et puis je suis content que certains le remarquent, donc je suis toujours en veille, hein, comme la plupart d'entre vous. Nous sommes toujours en veille informative. Puisque, comme je vous l'ai dit hier, nous vivons un petit peu sous le joug de la théorie de l'information, nous vivons d'informations, tout est information, écrite à l'encre de l'énergie, etc., etc. Donc, comme d'habitude, j'ai toujours plein d'informations qui rentrent, qui sont en arrière-plan, qui tournent en arrière-plan, et puis un jour, ping, j'ai une idée, ou alors un jour, j'ai regroupé un tas d'informations, et je m'aperçois que j'ai une structure en face de moi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de l'Asie, en 2018. Alors, je ne sais pas encore... Au moment où je vous parle, je ne sais pas encore quel est le titre que je vais utiliser, que je vais mettre, mais je pense que 2018 sera l'année. En fait, ça va boogie styler en 2018, il va faire chaud en Asie, il y aura tout un tas de... il y aura un énorme soulèvement islamique. Alors, au gré de mes pérégrinations sur Internet et ailleurs, j'ai eu tout un tas d'informations. Ces informations prises isolément, analysé isolément, ne donne rien. Et petit à petit, une info par-ci, une info par-là, etc., etc. Des achats d'armes en ce moment, depuis certains mois, il y a des achats, des gros volumes d'achats d'armes dans les Balkans, d'armes légères, avec de l'argent probablement saoudien. Ces armes vont en Asie. Vous voyez, c'est des petites infos comme ça qu'on chope dans des forums spécialisés, dans des sources blanches ou ailleurs. Hein. Des informations un petit peu, hein. Pour ceux qui m'ont petite digression, pour ceux qui me critiquent sur ma vidéo sur Tariq Ramadan, mais Tariq Ramadan, j'ai eu des tas d'informations, j'ai eu un tas de témoignages de gens, et des témoignages pas directs, c'est pas vrai, mais semi-semi-directs, sur ces agissements. Alors au lieu de venir m'insulter, allez plutôt insulter un type qui se dit musulman et qui est un vrai prédateur. Et c'est connu depuis des années, je veux dire, dans les chambres d'hôtel. Alors les trous du cul qui me menacent de mort ou qui me parlent de j'ai ton adresse, machin, vous... vos menaces, ce que j'en pense, c'est que bande de petites merdes, au lieu de venir, je vous le dis comme je le pense, vous êtes des merdes parce que passez votre énergie à insulter, à menacer de mort. Déjà, je vous attends. Hein. Pareil, vous avez mon adresse, donc je vous attends. Hein. Il n'y a personne qui me fait peur, bien au contraire. Tu me feras plaisir en venant. Et en second lieu, allez plutôt voir votre mentor, votre gourou, sale mongol. Vous n'êtes même pas musulman, vous êtes des merdes, vous êtes des grosses merdes. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube? Si t'es musulman, tu fumes des joints. Alors, déjà, un, tu salis pas l'islam, et deux, va voir Tariq Ramadan, qui est connu pour être un prédateur sexuel. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui le savent. Il n'y a que toi, parce que ta vie, c'est YouTube, qui ne décolle pas et qui insulte tout le monde. Alors va plutôt voir Tariq Ramadan, qui se fait passer pour un musulman et qui travaille pour les frères musulmans, version MI6, qui participe, comme certains arabes, à détruire le monde arabe et à donner son cul, et je m'exprime comme j'ai envie de m'exprimer, à donner son cul à ceux qui détruisent le monde arabe. Et par conséquent, tu es non seulement un débile profond, ça on ne peut rien faire pour toi,
Donc je t'invite à pas me parler rien et à faire ta vie. Mais en plus, tu es un traître à ta cause, sale mongol. Va, tu viens m'insulter de moi alors que moi, je m'en prends à tous ces gens qui font que le monde arabe est en pleine décadence depuis des siècles et des siècles et des siècles. Ton Tariq Ramadan, c'est un agent du MI6. Il fait partie des frères musulmans, il fait partie des wahhabites, il fait partie de tout ce ramassis de trous du cul hein, qui sont venus vous acheter dans les quartiers hein, et qui détruisent le monde arabe en vendant. Après la Libye, après l'Irak, après la Syrie, il te faut quoi, pauvre con? Comme je te l'ai dit une fois, et je ne le redirai pas tout le temps, mais je vais le redire, c'est nous les Arabes, vous nous faites honte, cette bande de merde. Mais qu'est-ce que tu viens insulter Tariq Ramadan? Les islamistes, les wahhabites, les qataris, Tariq Ramadan, toutes ces grosses merdes sont les ennemis du monde arabe et puis sont aussi l'ennemi des musulmans. Voilà. Le jour où tu auras compris ça et tu auras compris que c'est les proxys de ceux qui veulent détruire ce monde en se servant des uns pour taper sur les autres, à ce moment-là, tu auras fait un grand pas et tu seras peut-être redevenu un humain. Et puis utilise ton temps aussi à faire autre chose que YouTube et à venir troller puisque vous êtes en train de pourrir le... cet outil. Revenons à l'Asie. Alors c'est simple, hein, il y a plein d'infos, il y a plein d'infos, il y a plein d'infos. Tu mets des clés, voilà, je vais te la faire rapide, hein, pourquoi je perds mon temps. T'as plein d'infos, tu les analyses, et puis petit à petit, quand tu les mets sur le grand tableau, tu commences à voir des structures. Quand tu mets d'autres trucs, hein, parce que toutes mes vidéos, finalement, tu peux les relier. Quand tu mets d'autres trucs, les scatologies, les clés de compréhension, tout devient clair. Le désengagement en Syrie permet d'alimenter le futur bordel que sont en train de nous préparer nos amis destructeurs du monde qui veulent s'emparer du monde pour en faire un monde satanique totalement. Hein. Nos amis du Nord sont en train maintenant de s'orienter en Asie. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, ils se servent des proxys islamistes qui n'ont rien à voir avec les musulmans. Je le dis encore une fois parce que tu en as. Hein, bon, bref, les islamistes, excuse-moi, c'est des gars, ils fument des joints, ils prennent du captagon, ils violent des meufs, ils tuent des gens, et ils se font manipuler par les gens qui prétendent combattre. Il faut vraiment être con, hein. Franchement, bref. Moi je prône l'élimination des djihadistes avant qu'ils reviennent en France. Moi, je la prône, en tout cas. Donc, ça va se passer en Asie. Leur pièce de théâtre, hein, qui a toujours eu lieu au Proche-Orient, puis qui a eu commencé à avoir lieu en Afrique avec Boko Haram, avec Al-Qaïda, ACMI, machin chouette, qui a commencé en Europe. Maintenant, ils vont étendre le chaos véritablement en Asie. Et ils vont s'y prendre d'une manière. De la même manière ils utilisent toujours les mêmes techniques. Ouais, ben c'est simple. Pendant des années, ils ont alimenté des foyers de basse intensité. Thaïlande. Alors attention, ils se sont servis de problèmes existants, ils se sont servis de combats existants, et même certains combats que je comprends. Donc Thaïlande, Birmanie, enfin Philippines, Indonésie, maintenant Birmanie. Comment ils s'y sont pris? Bah, petit à petit, les universités du Golfe ont accueilli des gens venant d'Asie, les ont formés, il y a eu de l'argent là-bas, ils ont acheté des mosquées. Donc les destructeurs du monde que je ne vais pas nommer se servent de leurs proxys saoudiens, qataris et autres pour alimenter ces régions en fric, pour commencer à faire tourner les têtes, pour commencer à amener le fondamentalisme. Le fondamentalisme musulman nourrira ensuite le djihadisme. Et là, 2018, c'est à point, c'est autour de l'Asie. Et ça permettra à nos amis américains de réussir leur pivot, ça leur permettra de créer le chaos un peu partout, ordo ad chaos, ça permettra aux lobbies industriels, aux militaires de continuer à régner et à demander des sous, ça permettra au Pentagone de demander des sous, ça permettra aux services secrets d'exister. Si vous voulez, il y a un gros objectif eschatologique, vous avez plein de sous-objectifs. Ça permettra au, bah, je sais pas, hein, le débile mental, il va aller faire le djihad là-bas et tuer des Asiatiques, il va toucher de l'argent, il va violer des nanas, c'est peut-être les seules meufs qu'il touchera de sa vie. Les pays en question, ils vont faire si. Chacun y trouve son intérêt, mais l'intérêt principal, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les gens qui dirigent tout ça, ils ont leur intérêt, le gros intérêt. Tant que tu prends dans l'affaire, ils s'en foutent, mais il ne faut pas les déranger. Et puis à un moment donné, ils te jetteront. Donc là, ils sont en train plus ou moins de recycler une partie de leurs islamistes en Europe pour continuer le bordel en Europe. Mais ils ont besoin de finir leur pivot, le pivot qu'Obama n'avait pas fini. Parce que si vous voulez, il y a deux opposants, deux gros poids lourds qui les dérangent dans ce monde, c'est la Russie et la Chine. Jusque-là, la Russie, ils étaient dessus, ils l'ont bloqué en Europe. En foutant un bordel en Ukraine, en hystérisant la crise en Europe et en faisant croire que ah, les Russes arrivent alors que c'est eux qui se sont mis à leurs frontières. Hein, ça, n'importe qui, un gamin comprendrait ça, mais bon, apparemment, certains ne le comprennent pas. Ils ont amené les Russes au Proche-Orient, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Le petit jeu de Gog Poutine, qui joue très bien, il joue très 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 bien, et peut-être que jamais je mettrai de l'eau à mon vin, et leur petit jeu à eux. Ils se sont désengagés. Et depuis tout ce temps, depuis toutes ces années, ils ont alimenté des foyers,
Philippines, Indonésie, etc., etc. Ils ont alimenté des foyers, ils ont créé des structures, ils ont gangréné les sociétés, ils ont gangréné les islams traditionnels de ces coins, ils se sont installés, ils ont donné de l'argent, ils ont commencé à former des gens et tout. Et en regardant certaines vidéos, en allant voir certaines sources, je m'aperçois qu'il y a tout un tas de gens qui se préparent à un soulèvement en Asie en 2018. Alors je ne suis pas le seul, hein, il faut être honnête, je ne suis pas le seul à en avoir parlé. Le premier qui en a parlé sur YouTube, c'est Rasta Président. Il a fait une vidéo là-dessus. Je tenais aussi à le préciser parce que j'ai vu cette vidéo-là et elle fait partie des éléments qui m'ont amené à penser à cette hypothèse. Donc je te remercie, Rasta Président, si tu m'écoutes. Je crois que tu fais partie de mes abonnés. Je te remercie parce que tu as fait partie des gens qui ont annoncé ça, parce que tu t'es déplacé, tu as fait un véritable travail, un journaliste, tu t'es déplacé là-bas, tu étais là-bas, tu as entendu parler de ci, tu as entendu parler de ça, tu l'as reporté sur ta vidéo. Ça a permis à des gens comme moi d'en prendre bonne note. Et ça nous a permis d'avancer. Voilà. Donc merci à toi, entre autres, mais merci à toi. Donc voilà, donc il y a d'autres éléments, hein, des achats d'armes. L'un des engagements de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de tout un tas de pays, à part Erdogan, du Proche-Orient, puisqu'au Proche-Orient, de toute manière, les Saoudiens se sont retirés. Poutine leur a fait comprendre qu'il valait mieux qu'ils passent de l'autre côté. Hein. Le bon ange et le démon. Hein. Poutine, c'est l'ange. Allez, reviens à la raison. Les Saoudiens se sont arrêtés, mais. D'ailleurs, c'est marrant, hein. Ils se sont arrêtés, ils veulent faire croire que maintenant il y aura un islam modéré en Arabie Saoudite, comme si ça s'installait comme ça par décret. C'est pour lutter contre les mentalités, et puis pour lutter contre les pratiques, les coutumes, il faut des siècles des fois, et là, hop, la presse te dit, ah, désormais en Arabie Saoudite, c'est tout comme, hein, c'est tout comme. Désormais en Arabie Saoudite, un islam modéré, et puis les femmes pourront conduire. Non, mais le monde de Mickey, comme dirait Fedag. Philippines, c'est. Bon, pardon. On se calme, on stabilise, on reprend. Donc, les Saoudiens se sont désengagés là, mais ils investissaient déjà là-bas. Et c'est eux d'ailleurs qui font des achats d'armes dans les pays de l'Est. Ça me fait rire, ces pays de l'Est qui vendent des armes en contrebande et qui jouent avec les USA. On a vu les Bulgares et leur action nocive en Libye. Merci la Bulgarie. On a vu, hein, dans tous les trafics. On se demande si c'est des. Je m'excuse de le dire comme ça, mais bon. Aller travailler avec les Américains quand tu es bulgare pour faire du business. Pour détruire la Libye, mais franchement, déjà, on se demande si c'est un vrai État, c'est un État de mafieux, ton pseudo-pays. Hein, je le dis comme je le pense. D'ailleurs, pourquoi tu fais ça? Le problème, c'est que les Américains passent leur temps à diviser les gens, à les monter les uns contre les autres, et ça marche toujours. C'est en train de marcher au Kurdistan. Donc, je disais, l'Arabie Saoudite s'est désengagée pour commencer à investir en Asie. Le Qatar, bon, apparemment, je sais pas ce qu'ils bricolent, mais ils se sont mis sur la touche. D'autres mouvements, d'autres organisations interviennent là-bas, etc., etc. Et donc là, on sent que la poire est mûre. Donc, vous avez par exemple les Philippines. Depuis X temps, les Philippines sont gangrénées par le fondamentalisme musulman. Et puis maintenant, on voit arriver des djihadistes qui se revendiquent de l'EI. Vous avez la ville de Mindanao. En tout cas, attends, je préfère, au lieu de dire des conneries, je préfère vérifier mon petit cahier. Comment s'appelle cette ville? Parce que j'ai l'impression d'écorcher son nom. Alors, c'est l'île de Mindanao et la ville s'appelle Marawi. Voilà. Donc, les Philippines sont aux prises entre les fondamentaux. D'ailleurs, c'est marrant, les Philippins essayent de reprendre la ville, ont commencé à la reprendre aux djihadistes et ont même fait alliance avec les groupes fondamentalistes d'autres parties des Philippines. Mais c'est des vieux foyers qui ont été avivés, qui ont été animés. Enfin, des vieux foyers. Il y a des vieux foyers, des foyers plus jeunes, ils sont ravivés d'un coup pour 2018. Hein. C'était des foyers de basse intensité pour certains, puis pour d'autres qui existaient depuis un certain temps, comme on va le voir par exemple pour la Thaïlande, puisque la Thaïlande, il y avait un conflit avec l'ex-royaume de Parani. Hein. Parani, Patani, je ne veux pas dire de bêtises. Où est le nom de ce royaume? Le royaume de Patani. Au sud de la Thaïlande, qui demande son autonomie. Alors là, c'est pareil. Il s'agit de gens qui sont musulmans, de vrais musulmans, qui veulent leur autonomie. C'est une vieille revendication, ça a plus de 3 siècles. Ça fait des décennies qu'il y a une guérilla. De l'autre côté, ce n'est pas les gentils Thaïlandais, parce que vous avez des groupes paramilitaires qui viennent tuer des pères de famille, qui tuent des enfants, hein, je veux dire, des deux côtés, il y a des exactions. Donc, à la base, c'était une cause noble des gens, le royaume de Patani, qui a été intégré au Siam en 1771 de force, et qui ne veut pas être avec le Siam. D'accord, c'est un conflit ethnique, c'est un conflit nationaliste. Et pendant ces 10 dernières années, nos amis saoudiens, enfin les allumeurs de mèches qui travaillent pour
qui, vous savez, sont allés là-bas chauffer des gens, radicaliser des gens, et c'est devenu bizarrement un conflit religieux, alors qu'au départ, ça ne l'était pas. Vous voyez comment ils reprennent des vieilles embrouilles, on va le dire comme ça, et qu'ils les retrafiquent sous l'angle de c'est l'islam contre les bouddhistes, c'est l'islam contre les foches, c'est l'islam alors que c'est vieilli. Non, non. C'est juste un État jacobin qui veut absolument garder une province sur laquelle il a la main, province qu'il méprise, il méprise ses habitants. Ses habitants ne sont pas ethniquement les Thaïlandais classiques et veulent, eux, rester autonomes, même pas indépendants. Vous avez quoi? Vous avez l'Indonésie, c'est pareil. Vous avez en Indonésie, il y a toujours eu un islam tolérant qui respectait les pratiques des autres minorités, etc., etc. Et puis depuis une dizaine d'années, toutes les universités du Golfe ont accueilli beaucoup d'Indonésiens qui sont rentrés. Certains se sont radicalisés. On a vu apparaître un fondamentalisme. On a vu apparaître pas encore du djihadisme, mais il me semble que c'est pas loin. Et la société indonésienne essaie de lutter. Les ONG, l'islam traditionnel essaie de lutter contre ça, mais c'est peine perdue. Les autres. Il y a arrosage d'argent. Là encore, c'est un foyer qui, à un moment donné, va fou. D'ailleurs, on l'a vu avec la province d'Aceh, A-C-E-H. Le gouvernement indonésien a un petit peu reculé. Il a autorisé la pratique de la charia, comme au 9e siècle, dans cette province-là. Donc, on voit que pendant des décennies, l'Asie du Sud-Est a été travaillée au corps, travaillée au corps. Et là, 2018, on sent que ça va péter. Il y a des armes qui arrivent d'un peu partout. Il y a des gens qui se préparent. Il y a des gens dans les forêts qui s'entraînent, etc., etc. Alors, je ne vais pas vous donner toutes mes sources parce que, bon, ce n'est pas très intéressant. Mais vous allez voir qu'en 2018, boum. Donc, vous voyez, on a. Alors, vous inversez par rapport à moi, vous avez l'Asie du Sud-Est. Le pivot est fait cette fois côté Chine. Une Chine qui montre les dents. Une Chine qui militairement a rattrapé son retard, même s'ils ne sont pas encore au niveau des USA, ils peuvent parfaitement mettre une raclée aux Américains à domicile. Hein. Une Chine qui revendique cette fameuse langue de buffle, l'équivalent, je crois, tout entier de la mer de Chine, hein. Respecte pas ses voisins, nationaliste, mais elle s'oppose aux USA qui eux-mêmes ne respectent rien. Alors, vous voyez encore une fois, les USA, ça les arrange. Les gesticulations en Corée, je me posais la question à savoir pourquoi ils font tout ça alors qu'on sait très bien qu'il n'ira pas en Corée. Maintenant, j'ai compris pourquoi ils gesticulent en Corée et pourquoi ils sont en train de se chauffer, Trump et Nounours. Alors, Nounours, on le sait, c'est pour garder la main mise sur sa population, pour dire, regardez, je suis petit roquet, mais je résiste aux Américains. Mais de l'autre côté, Orange Man, là, enfin bref, la carotte géante, Trump, pourquoi ils faisaient tout ça? Ils n'avaient aucun intérêt à rentrer dans un débat, enfin, un débat. Il n'avait aucun intérêt à chambrer Kim Jong-un. Ben si, maintenant je comprends. Ils ont hystérisé, encore une fois, un faux conflit. Ça leur a permis de ramener des porte-avions, d'amasser des troupes, comme autour de la Russie, comme autour de l'Iran. Hein, je veux dire, en hystérisant la crise avec la Russie, alors tout le monde se dit, mais pourquoi ils s'embrouillent au final? Parce qu'il n'y a rien. Et en plus, c'est contre-productif pour les affaires, c'est ce que se disent les Allemands. Mais en fait, non, le but, c'est d'empêcher le. D'empêcher l'Allemagne, d'empêcher l'Europe de se rapprocher de la Russie, d'empêcher la Russie de devenir une véritable puissance qui ait des accès aux mers chaudes, de foutre le bordel et puis de faire une guerre. Hein, en travaillant l'Europe avec les migrants, avec la crise russe, ça a permis aussi aux Américains de s'installer, puis d'empêcher, voilà, de faire chier la Russie, et, parce que la Russie est un futur concurrent avec Poutine. Il restait les Chinois, ben voilà, on fait semblant de s'embrouiller avec Kim Jong-un, on ramène des porte-avions. Ça permet d'installer des systèmes THAAD, les THAAD. Les THAAD, c'est quoi? C'est des systèmes anti-missiles balistiques à très très haute altitude. Hein, ça n'a rien à voir avec les Patriotes, ça n'a rien à voir avec les Aster, ça n'a rien à voir avec les S-300, les S-400. C'est peut-être l'équivalent des S-500. C'est-à-dire que ça peut intercepter à très haute altitude, en phase descendante, il me semble, des missiles balistiques. On sait tous qu'en Corée, le gars, il n'a même pas de quoi faire de faire le plein. Il n'a même pas de quoi finir la semaine. Niveau essence, on sait très bien qu'ils ont du vieux matos rustique, mais putain, ils ont des avions, c'est des MiG-19. Les MiG-19, allez voir ce qu'est un MiG-19. Des MiG-19, je crois que les plus. Enfin bon, bref. Tous les spécialistes, tous ceux qui maîtrisaient la chose militaire, voyez que c'était de la pipe. Mais on ne comprenait pas pourquoi. Ben maintenant, on a compris. C'est pour compléter le verrouillage autour de la Chine et autour de la Russie, qui sont plutôt des puissances terriennes. C'était pour garder la mainmise et rester un empire thalassocratique et commencer à l'emmerder les Chinois, parce que c'est des malins les Chinois, ils ont laissé les Russes en premier plan et eux, pendant ce temps, ils sont en train de monter doucement, préparer leur armée, de préparer leur armement,
de travailler en matière électronique, d'ouvrir deux routes de la soie, non pas une mais deux, d'organiser quand même une sorte de collier de perles par mer, c'est-à-dire sécuriser leurs trajets maritimes qui leur permettent de ramener l'hydrocarbure qu'ils n'ont pas, hydrocarbure qu'ils vont chercher en Iran, parce que les Chinois ont très très peu, enfin ils ont des matières premières, mais niveau pétrole, c'est walou, c'est zéro. Hein. Donc ils dépendent des Iraniens, ils dépendent des Russes. Alors pour les Russes, c'est simple, vous avez des pipelines qui passent par terre, mais avec l'Iran, c'est le problème, il est là. Il faut que ça passe par terre, parce que si ça passe que par mer, on sait très bien qu'à un moment donné, s'il y a une guerre avec les Américains, il y aura un blocus et plus rien ne passera. Vous voyez? Ils sont dans le moyen terme, ben les Américains, là, en créant ou en alimentant des foyers islamistes, en se prenant la tête avec Kim Jong-un qui ne demandait que ça pour exister, finalement, avait des intentions cachées, c'était de finir ce fameux pivot. Voilà pourquoi je pense qu'en 2018, tout va éclater en Asie. Les foyers de basse intensité passeront en foyers de haute intensité. J'ai oublié de citer les Ouïghours aussi. Alors attention, moi je ne dis pas que tout, qu'on soit clair, parce qu'il faut absolument, enfin, il faut toujours répéter, parce que vous avez certaines personnes qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Je ne parle pas d'islam classique en Asie du Sud-Est. Je parle de djihadisme, de proxy, qui viennent d'un peu partout, en tout cas, ou des locaux, qui sont alimentés par de l'argent des proxys américains, c'est-à-dire les Saoudiens et les autres, qui sont alimentés en armement venus de pays de l'Est, ex-pays de l'Est, et tout ceci au profit de qui? Non pas des populations locales, qu'elles soient musulmanes, bouddhistes ou chrétiennes, non pas pour leur intérêt, mais juste pour l'intérêt de celui qui fout le bordel dans le monde depuis 2001. C'est une réalité. Qu'on arrête de me dire, ah, les Américains ont perdu toute leur guerre, ils ont réussi tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire foutre le bordel partout. C'est le démon qui fout le bordel partout, et puis Poutine, c'est l'ange qui essaye de calmer. Voilà, donc 2018, moi je m'attends à ce que c'est des... Sous la mort, c'est toujours pareil, c'est comme Al-Qaïda. Hein. T'as un groupe, ils font 3-4 attentats, on en parle de temps en temps, puis après ils montent légèrement en puissance, et puis après, boum, t'as l'acte fondateur. Et on ne fait que parler d'eux. Avec le I, ça a été, avec Daesh, ça a été le I, ça a été boum, d'un coup. On les a vus apparaître alors que les gens, on est en train de les fabriquer depuis 2006, ces gens. Voilà. Al-Qaïda, moi j'en entendais parler en 97, 98, 98 déjà. 2001, l'acte fondateur. Là, ils arrivent sur la scène. Ben là, je m'attends en 2018 à voir de nouveaux groupes qui arrivent sur la scène, bien que tout le travail fait ces 20 dernières années risque de servir, puisque finalement ils ont leur parrain et leur marraine, et leur marraine, Daesh, Al-Qaïda, parrain, marraine, en plus avec une fausse concurrence, alors on sait très bien qu'au-dessus, tu as le marionnettiste qui fait jouer tout le monde. Voilà. Donc ils ont déjà leur parrain et leur marraine, mais il leur faudra un acte fondateur, genre une prise d'otage dans une ville, prendre la ville en entier, comme ce qui se passe aux Philippines, ou je sais pas, quelque chose qui va faire éclater, puis après on s'attend à des soulèvements dans ces pays-là. Ça permettra aux gentils Américains alliés de ces pays-là d'arriver, de les aider, de leur vendre des armes, le business va tourner, l'eschatologie, bah, ça va rouler, en fait, tout le monde va se servir, tout le monde va se gaver, sauf les gens de là-bas. Voilà, je pense avoir tout dit, hein. Le désengagement en Syrie, bah, attends, il faut bien qu'ils les recyclent, leur djihadistes. Hein. Surtout que beaucoup de djihadistes qui appartenaient à l'EI venaient d'Asie centrale. C'est fini l'époque où c'était que des Irakiens, où il y a quelques Maghrébins, c'est surtout des Tchétchènes, des Ouzbeks. Hein, c'est ça, donc ces gens-là en fait repartiront dans leur pays et démarreront aussi quelque chose en Ouzbékistan, au Kirghizistan, au Kazakhstan et ailleurs. Hein. Pour la Birmanie, voilà, pour la Birmanie. J'ai pas dit que les Rohingyas étaient des enculés. Je dis juste que parmi les Rohingyas, il y a de l'argent saoudien, puis tu as des Rohingyas djihadistes qui sont là pour le djihad et qui vont dévoyer la cause. En Thaïlande, c'est pareil. Le gouvernement thaïlandais réprime une province de manière dégueulasse, personne n'en parle. Hein, donc je n'accuse pas ces gens, leur combat est légitime. Juste que leur combat va être dévoyé. Aux Philippines, entre les fondamentalistes du Nord et les djihadistes du Sud, bon, je ne sais pas si le combat est bien ou pas, mais bon. J'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu chauds là-bas. Mais bref, je ne connais pas assez la situation pour pouvoir les juger. Il y a des combats peut-être légitimes, mais ils sont dévoyés. Et depuis un certain temps, donc il y a, voilà, c'est un petit peu comme en jazz, hein, l'orchestre s'installe, commence à jouer, hein, et puis petit à petit, et le chorus arrive en 2018. Que dire d'autre pour finir sur ce... Attention, danger, technique... Ouais, c'est la technique du pompier pyromane, hein, classique. Hein. Bon, réactualiser, puis...
étalé sur le temps pour pas que ça se voit. Mais bon, quand tu commences, quand tu suis un petit peu et quand tu vas t'abreuver à différentes sources, notamment des sources professionnelles, tu t'apprends, voilà, des gros volumes d'armes qui sont achetés aux Balkans, qui sont acheminés en Asie, on ne sait où. Voilà, avec des certificats, des end-users, hein, des certificats de destination finale, traficotés, puis voilà, avec de l'argent toujours saoudien, et puis il y a toujours les Bulgares, enfin bon, les classiques, quoi, tu sais, les pays de mafieux, je le dis comme je le pense, hein, trois Serbes, quatre Bulgares, ouais, et puis, les Américains vous détruiront à la fin, gars. Si tous les larbins qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez se disent à un moment donné, mais attends, il vient me diviser, moi je vais me taper contre toi, lui il va se taper contre toi, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est eux qui foutent le bordel depuis qu'ils existent, tout s'arrêterait, quoi. Voilà, parce que je le vois, tu vois, ils arrivent, ils vont chauffer deux Marocains, ils vont chauffer deux Algériens. Bien sûr, les gens tombent dans le panneau, ils jouent les nationalistes. Alors, de toute façon, c'est pour vous autodétruire, les gars, réveillez-vous. Ils vont faire ça en Inde, avec le Pakistan, ils vont faire ça un peu partout, ils montent les uns contre les autres. Et pourquoi ça marche tout le temps? Maintenant qu'ils ont bien foutu le bordel au Moyen-Orient, ils ont désengagé un petit peu leurs forces, tout ce qu'ils pouvaient désengager, et puis ils ont laissé faire les Kurdes. Vous avez vu, alors excusez-moi, avec toutes les insultes que j'ai reçues, vous ne les avez pas vues sur le Kurdistan, alors que j'ai fait une vidéo. Alors, pour ceux qui signalent, vous pouvez toujours signaler, j'en ai rien à foutre qu'elles soient monétisées ou démonétisées, mes vidéos. Je ne suis pas là pour l'argent. La preuve, je continue à en faire, hein, au même rythme. Donc, tu peux faire ce que tu veux, tu peux monter. Mais à un moment donné, achète-toi un cerveau. Parce que j'ai dit des choses pragmatiques sur le Kurdistan. Je n'ai pas attaqué le peuple kurde, mais les 3-4 connards qui le manipulent. Regardez comment c'est en train de se passer. Ce que je vous ai dit. Est-ce que ma vidéo est ou n'est pas pertinente? Les autres Kurdes d'autres pays refusent ce référendum. Et là, regarde, Barzani, il est bloqué. Même au sein de sa propre faction, on est en train de lui dire, mais tu nous as fait quoi? Et puis, il y a toute une partie des Peshmerga qui ne combat pas, qui s'est alliée avec le gouvernement irakien, qui leur a dit, attendez, c'est l'Irak là. On peut s'arranger, mais pas comme ça. Et donc les Irakiens sont en train de reprendre les postes frontières et personne ne les soutient. Ça valait le coup. Le seul qui les a soutenus, c'est Netanyahou, le démon qui est venu chuchoter à Barzani. Barzani, voleur de pétrole, c'est pareil. On est venu m'insulter, mais putain, le pétrole et les puits, tout ça, c'est les Irakiens qui ont investi. Voilà. Après, tous les petits cons là, qui viennent m'insulter. Non mais dis, connard, les trois districts, c'est des types qui ont chassé, qui ont pratiqué de l'épuration ethnique. Les Kurdes de Barzani ont pratiqué l'épuration ethnique, ont viré toutes les populations de ces endroits, et ils ont dit, oh, on les a récupérés à Daesh par les armes. Déjà, ce n'est pas eux qui ont récupéré quoi que ce soit à Daesh, c'est l'aviation américaine qui est là-bas, qui les aide. Et c'est les missiles au sol. Parce qu'eux, ils sont incapables, je crois, d'attraper une biche dans un. Même en chasse, ils t'attraperaient pas un lapin de garenne. Donc avant de m'insulter, bande de débiles, posez-vous une question. Les bonnes questions. Et puis d'ailleurs, barrez-vous, je veux dire, ceux qui viennent que pour insulter, là, qui n'ont pas de cerveau, les mecs sont premier degré, ils n'arrivent même pas à voir que. Donc voilà, donc moi demain, je vais aller, je vais prendre mon fusil, je vais libérer la moitié de la Lozère, elle est à moi. Voilà, parce que je l'ai libéré. C'est exactement comme ça les revendications. Surtout qu'on parlait de trois trucs. Alors pourquoi vous venez me parler de tous les pays, l'indépendance? Ou ah non, plutôt reste sur YouTube. C'est vrai que ouais, tu fais partie de ces publics. Voilà, je pense avoir tout dit sur 2018, année du soulèvement en Asie. Tiens, je vais l'appeler comme ça. Et puis bon, voilà. Et puis je suis en train de voir un petit peu. Alors pour les posts, je vais à un moment donné prendre une bonne journée pour répondre à tous les posts, en tout cas tous les posts qui sont intéressants. N'hésitez pas quand même à en envoyer. Pour ceux qui s'acharnent à envoyer plusieurs fois le même post, prenez votre mal en patience. Dès que j'ai 5 minutes, je fais passer le post. Pour ceux à qui je n'ai pas répondu, je vais vous répondre. Et je vous remercie donc pour les posts là que je suis en train de lire au fur et à mesure. Entre deux menaces de mort, un type qui me dit qu'il a mon adresse, un type qui va me faire la peau, va chercher ton RSA, c'est bientôt le moment, gars, au lieu de. Bon, je veux dire, tes coups de pression, tu me fais rigoler, parce que si tu as mon adresse et tu veux venir me voir, bah viens, enfin, non, mais je vous attends. Voilà. Mais parmi tout ce fouillis de parasites et de minables, je préfère être à ma place qu'à la leur. Non, mais je devais le dire aussi, ça. Les gens, ils passent des heures à monter des plans pourris pour venir troller sur YouTube. Vous êtes vraiment des ratés, vous n'avez pas dit, vous êtes des minables en plus d'être des lâches. Puisque je vous attends et vous voulez pas venir, c'est dommage. Mais bref, entre les posts de ces gens, il y a des posts très intéressants. Et la vidéo que je viens de mettre sur les relations humaines, j'ai hâte quoi débattre. Donc il y a une personne qui m'a proposé d'en parler. Alors je ne prends plus de hangout ou de communication privée. Faute de temps, faute de tout un tas de choses. Mais par contre, je ferai. Enfin, dernier out privé, j'en fais pas. Communiquer par téléphone, non. Tout ça. Non, par contre, je ferai peut-être un hangout
Alors là, en ce moment, je change de fournisseur d'accès, c'est pour ça qu'on ne me voit pas trop, mais dès que je reprendrai les Hangouts, et puis je suis en train de, je vous dis, de bosser sur un recueil de nouvelles, mais dès que je vais y arriver, je reprendrai les Hangouts, on fera un Hangout sur les relations humaines, la physique des particules. Dites-moi aussi si vous voulez que je parle un peu plus de certains sujets physiques, je ne sais pas, parce que moi j'avais fait deux vidéos sur la physique des particules, je les avais enlevées. Je peux refaire, je vais faire une vidéo sur les paradoxes, je vais peut-être faire une vidéo donc sur d'autres problèmes mathématiques ou autres. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et je me chargerai de travailler dessus. Voilà, je vous remercie à tous. Ouais, je sais, je suis obligé de le dire, ça fait un peu pute. Poussez-moi, pas du haut de la falaise, hein. Mettez-moi des pouces parce que sinon, voilà. Et mettez surtout des commentaires, partagez-la et merci à toutes et à tous. Ciao.